Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec la tigresse. C'est vrai, très panthère, très... C'est horrible. Oh my goodness. C'est mode anglais aujourd'hui. My goodness. Oh, I'm happy to meal with you. C'est pas meal, non? Meal, c'est la viande. My baby, little girl. Ça va être très long. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit concept très mimi, très chill, très miam. Je suis un gosier sans fond, meuf. Tout à rentrer. Ne sors pas des traces comme ça. Ça commence très bien. Le but est très simple. Nous avons Sid, que vous entendez mais que vous ne voyez pas. Et que vous ne verrez jamais. C'est le personnage dans L'âge de glace. Non. Elle a la même tête. Non. Donc, Sid nous a préparé des plats dans lesquels il y a des plats luxe et des plats pas du tout luxe. Notre mission aujourd'hui, Flavie, tu l'acceptes, c'est de manger, de goûter, de boire, il y a un peu de tout. Oh. Et on va devoir deviner ce qui coûte très cher de ce qui coûte pas du tout cher. Ok, vas-y, let's go. J'ai un palais de Doberman, mais c'est vrai. La première fois que je fais ce concept, je pourrais pas te dire. Moi, je pense que j'ai un palais assez fin. J'ai hâte de faire le challenge. Ok, bah vas-y, moi j'ai juste hâte de bouffer, mais chacun ses envies. Donc, vous avez compris le but, nous allons bouffer, nous allons boire, nous allons nous régaler. Ah, j'ai trop faim. Et vous allez juste regarder, bande de nuls. Je sais pas, c'est violent. Pardon. Un petit gratuit comme ça. On va commencer par boire quelque chose. Ce resto, il est étoilé ou pas? Ah bah justement, on va le découvrir. C'est sympathique, j'aime beaucoup l'ambiance, le feu derrière. Ouais, ouais, c'est pas mal. Alors, oh, déjà, on va faire une étude des bulles. Aux bulles, ouais, normalement, tu ah peux ouais boire. Alors, qu'est-ce que c'est? Du coca. Un coca normal et un coca bas de gamme. Ah. Il y en a un qui est déjà plus bulleux. Hein. Mais du coup, c'est trompeur parce que je crois que le vrai coca, il n'y a pas de bulles. Enfin, il ah n'y a bon pas beaucoup de bulles, je crois. Oh, l'odeur. Il y en a un, il sent plus le Brescola ou le... Je sais pas, c'est un truc hyper... Lui, il sent rien. Tu trouves pas qu'il sent rien? Ouais, je suis d'accord. Et lui, regarde. Ouais. Il sent... Ah, il sent le bonbon du coca. Bon, allez, vas-y, je teste celui-là en premier. Moi, j'ai testé celui-là, du coup. Non, ça peut pas être coca. Ça, c'est coco. Ça, c'est impossible. Il n'y a pas de goût, pas de bulles. C'est horrible. Genre, ça, c'est honteux même. Ou alors c'est un coca ouvert depuis genre 4-5 jours. Mais ouais, jours, ouais, vraiment le coca que t'as laissé ouvert dans le frigo. Ça c'est du vrai coca. Moi je trouve que celui-là c'est du coco, mais pas celui-là. Je sais pas, ça se trouve elle a pris le coca qui est dans le frigo depuis 6 semaines. Elle nous l'a... Ah oui, bah si t'en as, ouais. Il est dégazifié le truc. En fait lui il a le goût du coca et lui plus du sucre. Même si je sais que c'est du sucre, en soi non, mais t'as surtout, quand même un truc. Il y a zéro bulle là-dedans. Quand même meuf, t'abuses. Ah bah, oui. Non, le micro. Putain, je sais pas boire, j'ai oublié. Moi j'ai pris ma décision. Il y en a un que je trouve dégueulasse et si c'est du coca, sincèrement, faut se faire rembourser. Pour moi, ça c'est pas du coca. Et ça c'est du coca. Je suis d'accord avec toi. Et bah pour une première épreuve, vous êtes planté. Arrête. Oh, j'ai honte là. C'est deux canettes de coca. Il y a un jeans cola de chez Leclerc et un vrai Coca-Cola. Je viens de les ouvrir, je les ai achetés hier. Et j'avais dit que j'avais un palais d'Oberman. Alors toi par contre, tu t'es auto-détruite en 2 minutes. Je pense que j'ai un bon palais. Ah non, non mais je suis désolée. C'est quoi ce coca qui a pas de bulle? Celui-là il est pétillant, il est sucré, il sent le coca. Celui-là il a zéro odeur, zéro bulle, zéro goût. On a un problème, c'est on est malade. Bizarre, mais oui. Donc, si ça se trouve c'est meilleur que le coca. Hein. Est-ce que c'est le verre qui fait ça? On dit souvent qu'il faut mieux boire du coca dans un verre que dans tout ce qui est en plastique et tout. C'est bah, meilleur. Et bah je pense qu'on a niqué notre coca. Je suis dégoûtée. Je pense qu'à un moment, si je vois que tu te trompes tout le temps, j'irai toujours à l'opposé de ce que tu... Mais pourquoi moi? Mais tu te fous de ma gueule, en plus c'est toi qui a commencé, c'est toi qui a dit moi je préfère ça de... J'ai rien à voir là-dedans, ok? Bienvenue chez les Doberman, ok? Va falloir mettre les bandeaux, mesdames. Oh, on passe à la dégustation coquille. Ah, c'est pas ça. Ça me fait peur quand même de manger des choses que je ne vois pas. Alors là, je vais vous amener deux planches d'apéritif. Donc il y a de la charcuterie et du fromage. Ok. Ça me plaît ça, c'est tout ce que j'aime. En gros, je vous ai mis une planche chacune devant vous. Il va falloir qu'on s'échange les planches? Oui. Ok. Mais du coup, il y a plusieurs types de fromage? Il y a plusieurs variétés de charcuterie et plusieurs variétés de fromage. Je sais pas quoi toucher, Emma. Je prends juste la salade. Je bouffe la salade. C'est une très bonne salade, dis donc. Je crois que j'ai du fromage. C'est sûr, mais... Il est pas mauvais. Ça, c'est le chorizo de Carrefour, ça. Il y a un truc de traiteur et un truc de supermarché, c'est ça? Ah, j'ai agressé avec ma viande. J'ai trop peur. Ne fais plus jamais ça. Moi, je pense que là, je suis sur le supermarché. Moi, c'est du bon jambon de Bayonne, là. Meuf, j'ai à avoir les yeux qui coulent. Je sais pas manger les yeux bandés. Je n'y arrive pas. C'est impossible. C'est très bon, mais je pense que ça c'est supermarché, je pense. C'est quoi que j'ai? C'est tout le temps la même chose.
Oui, t'as repris la même chose. Oui, on est d'accord que j'ai repris du jambon de Bayonne, là, non? Le plan est exceptionnel. Non, j'ai une corde à sauter, je te jure. Moi, ça, je reconnais, c'est l'assiette que je pourrais manger habituellement. Je pense à ce supermarché, mais on va twister. Si t'arrives à mieux trouver que moi, j'ai mangé deux fois du jambon de Bayonne et après, j'ai mangé du fromage, mais le jambon était bon. Attention. Oh, là, j'ai une rondelle. Ah, j'aime pas l'odeur. Il y a du pesto là-dedans. D'où t'as eu, il y avait du pesto dans mon assiette. Ça, c'est pas du fromage au pesto, ça, ce que je mange là. Ça existe du fromage au pesto? J'ai goûté. Basilic. J'ai eu ton chorizo. Ah, ça c'est très bon, ça par contre. Je sais pas ce que je mange, c'est succulent. Bah, j'ai eu un vieil emmental là. Là, c'est les chaussettes des marges, je connais. Ok, est-ce que t'as pris ta décision? Oh là là. J'aime pas ce fromage de cette assiette. Donc pour toi, c'est celle que j'ai qui est luxe. Ouais, ça m'a l'air. Je pose mes paroles. Je suis sûre et certaine, et je pèse mes mots, que cette assiette, c'est l'assiette luxe, et que Dooms a l'assiette pas luxe. Oh, je suis... Bah, c'est bon. Le fromage vert, direct. Ah, il y avait du fromage vert. Est-ce que du coup, tu peux nous dire si on avait raison? Luxe et pas luxe. Ah! Et le petit fromage vert, c'est à base de quoi? Pesto et basilic. Oh putain. C'est pas moi qui serait Doberman aujourd'hui, je vous le dis. T'es toujours dans la compétition. C'est vrai. Et je pars la bouche pleine, je m'en fous. Pendant que vous avez les planches, je vais vous emmener de la Red Bull. Alors, normalement, Red Bull, je pense que je suis capable de trouver. Déjà, celui-là, il pétille du feu de Dieu, quoi. Et attends, putain, j'ai enlevé à fond. J'étais vraiment... J'étais... Elle a oublié le concept. Hop là. Hors de vidéo. J'ai droit de bouffer. Déjà, faut d'abord sentir. Je vais sentir. Donc, il y a un vrai et un marque... Mais en fait, meuf, j'ai l'impression que dès que c'est dans un verre en plastique, on ouais, sent pas... J'ai du mal, là. Ça sent plus fort, quand même. Ça sent un peu moins. Le Red Bull, ça sent fort, meuf. Ouais, mais ça sent un peu. Donc, je pense que le plastique atténue. Là, j'ai pas mis, justement, pour éviter le truc du verre plastique et verre en verre. Là, je vous ai mis ceux qui ont l'étiquette, c'est les mêmes, et ceux qui ont pas l'étiquette, ah, c'est non, le même. Ah non, mais dans différents, en plus. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez vous échanger les verres. Lui, il a un côté bizarre. Je saurais décrire. Ah, vas-y, je dis lui. Pour moi, c'est lui. Bah, du coup, ouais, c'est ça. Ouais, on a le même. Ouais, moi, je dirais lui aussi. Ouais. Lui, il est très bon par contre, et c'est rare qu'un dupe de Red Bull me plaise. Ah ouais, moi j'aime pas trop, je sais pas, il y a un truc, un arrière-goût que j'ai pas l'habitude de boire dans un Red Bull. De toute façon, je me trompe totalement. Ah ouais, attends, maintenant j'ai un gros doute. Bah non, moi je trouve qu'il y a un truc. Je peux boire dans le verre en verre? Ouais, vas-y. Ah oui. T'as vu? Toi, ouais. T'as moi, vu? J'ai pas cet arrière-goût là. Toi, c'est Red Bull? Enfin, non, c'est... tu penses que c'est Red Bull? Bah, je sais pas, moi, il y a pas cet arrière-goût que toi t'as. Ah ouais. Mais attends, c'est une dinguerie, comment ça se fait qu'un verre change tout. On a des problèmes, hein. Ben oui. Les boissons, on est nul à chier, hein. Ouais, non, je reste sur celui-là. Moi, ma première intuition, c'était le verre en plastique. Ah, tu sais quoi, je suis joueuse, je vais dire l'inverse. Donc, du coup, pour toi aussi, c'est le verre en plastique, c'est pas la même. Ouais. Le vrai Red Bull, c'est dans les verres qui n'ont pas d'étiquette. Non, mais c'est une blague. Je l'ai eu celle-là. J'étais trop nulle, j'allais vraiment partir sur celui-là. À la fin, j'ai eu un doute et je me suis dit, bah, je prendrai l'inverse de ce qu'elle dit. J'ai gagné. Mais c'est dégoûtant. Tu te juges par rapport à moi, mais juge avec ton palais de Doberman. En vrai, c'est dur. Moi, j'ai pas un bon palais du tout. Il y a des saveurs que je vais reconnaître, mais alors en termes de boisson, tu peux me faire boire n'importe quoi, je te dirais bon. Et l'autre, du coup, c'est quoi exactement? C'est du X-Tense. Je connais même pas. C'était bien bon. C'était sympa ce petit apéro. T'as pris quoi pour l'entrée, toi? Eh ben, c'est une bonne question. Moi, j'ai pris menu du chef, je ne sais pas. Une soupe, je crois. Oh, quoi, une soupe, là? Et t'as cru qu'on était chez maman J'avais du temps ou quoi, là? Non, mais c'est peut-être une soupe de luxe, super bonne, avec des champignons genre de fou, tu vois. Vous pouvez vous bander les yeux, mesdames. On y va. Oh, ça va nous réchauffer un peu, ma lady. Oh, putain, c'est du poisson. Mais du coup, j'en ai qu'une. Il y en a pas deux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous avez chacune une des soupes et vous les échangez. Ah, après. Putain, attends, j'ai pas goûté. Oh, putain, elle est où, ma. Tu as l'air de galérer, si je peux me permettre. Ouais, pas ouf. Ouais, non, peut mieux faire. On échange? Alors, attends, je récupère juste ma cuillère. Ah ouais, c'est de l'eau au poisson là, c'est pas... Ah, j'aime pas du tout, moi je déteste les soupes au poisson. Elles ont pas le même goût. Bah celle-là, elle est clairement à base d'eau 100%. Ah, on est d'accord qu'elle est... elle fait très... Celle-ci, elle fait plus travailler. Ah ça, les gens qui font ça. Non mais le goût est immonde, je suis désolée. Qui boit premier degré de la soupe de poisson? Bah moi j'aime ça. Non mais je comprends pas, c'est pas possible. Ça sent le homard qui a pissé dans la soupe, ça c'est bien meilleur. Mais je trouve qu'elle est vachement liquide. Ah j'aime pas du tout. Je dirais ouais c'est la nôtre, enfin c'est celle la mienne actuellement. Ouais, hein. ouais. Alors attends, on va débander nos yeux et on va découvrir. Oh, oh oui. Qu'est-ce que c'est que cette couleur? C'est celle-là, c'est sûr. Ah oui c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que cette merde radioactive? Oh, qu'est-ce qu'elle m'a fait boire? Qu'est-ce que c'est que cette abomination? Non mais Flavie se régale, elle adore le tournage là, c'est et on boit et on mange. Ah,
j'ai pas eu mon alcool là. Où est mon vin? Est-ce que vous avez une idée du prix? Moi je dirais de poisson, 6-7 euros la de luxe. Sachant que vous voyez les quantités, donc la ouais. bouteille, il reste tout ça. L'autre, j'ai tout mis dedans. Bah 6-7 euros pour juste ça, c'est cher quand même. Voilà. Je dirais max pas au-delà de 15 balles, je pense. Non, mais 15 balles pour de la soupe de poisson! J'ai pas le prix réel de ça parce que je l'ai acheté à un restaurateur. Sur sa carte au restaurant, il la vend 15,90 €. La soupe de boisson, la bouteille en totalité, il y a un litre. Ouais, un litre. 1,15 €. Oh, mais là, je vais être malade, j'ai la gastro-mère, gastro tout court. C'est juste ça. Trop merde. Non. Gastro-merde. 1 euro, les 1 kilo de merde de poisson, ça, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, le pire, c'est que je suis sûre qu'il y a très très peu de poisson dedans, il y a pas mal de merde. Donc ça, ça vient d'un petit restaurateur à Angers qui s'appelle le Saint-Benoît. Le service est un peu long, tu diras ça à chef cuistot cuisine. Je pense que le tonton elle va venir te péter la gueule si tu veux mon avis. Elle va me lancer des couteaux dans la gueule de la cuisine. Oh. Oula, c'est quoi, du caviar? C'est du caviar. Oh. Ah, j'en ai jamais mangé de ma vie, c'est une première. Alors attends, je savais pas que j'avais autant de budget dans ma vidéo. Ah bah ouais, je découvre. Là vous avez un caviar, l'autre ce sont des œufs de limpe. Ça, j'en ai déjà mangé. Celui-là, c'est du caviar. Je suis un peu d'accord, c'est que ça, j'ai l'habitude d'en manger des œufs de limpe. Et c'est tout petit. Mais par contre, attends, c'est ma première fois en caviar là. Oh, je suis un peu. Elle est émue. Je suis un peu émue quoi. Je goûte celle-ci. Caviar. Caviar. Oh là là. Œufs de long. Allez hop, caviar, celle-ci. Alors moi, je découvre, attends. T'as déjà mangé des œufs de limpe déjà? Ok. Ça, c'est œufs de limpe. Tu sens du croustillant sur les œufs de. L'experte en caviar. Oh, c'est onctueux. T'as vu? C'est très fort oui, en goût. Oui, c'est très très fort le caviar. Oh, ça c'est pas des œufs de limpe. Non, alors, t'as vu? C'est peut-être pas du caviar, mais en tout cas, ça c'est pas des œufs de limpe. C'est très fort, c'est Ouais, mais c'est bon? Bah, c'est bon. Celle avec l'étiquette, je pense que c'est caviar, madame. Tout à fait. Yes. Ouh. 10 grammes, c'est équivalent à 23 centimes les œufs de lampe. Ok, pas cher. Le caviar pour 10 grammes, 7,69 €. Ah ouais, on est pas sur le même prix. Hein. Donc ça fait 769 € le kilo. 769 € le kilo! Mais ça me choque pas, c'est du caviar. 769! J'espère que t'as apprécié ta petite cuillère. Non mais meuf, 769 €, tu te rends compte de ce que je peux acheter avec ça? Moi j'ai déjà eu ça à 120 balles. Renvoie le caviar, on va le terminer, histoire qu'on ait pas payé pour rien. Prends un peu de pain, fais-toi plaisir. Hein. Je sais pas si avec ce pain là... Je sais pas si avec du pain de pomme. Avec ce pain de gueux, c'est bon. Vous pouvez faire le vin en attendant que je vous amène. Ah bah oui, ah bah oui, on va faire ça. Là, on est sur des quantités gargantuesques. Ah oui. C'est-à-dire, tu bois ça, je pense que t'es bourré. Je bois pas de vin, j'ai aucune idée des quantités, non, d'accord. Tu nous as mis un tonneau. Ici, on a la bonne franquette. C'est la générosité c'est avant tout. C'est si bonne franquette. Bon alors du coup, Alors, j'ai déjà vu un peu ce que les gens font. Ils commencent par observer et je crois que si tu penches, tu peux avoir un anneau. T'as vu la vidéo de Karine? Ça te donne l'âge du vin. Je ne vois aucun anneau. Mais non, moi non plus. Qu'est-ce qu'on est censé regarder là? Oula, il est fort. Ok, maintenant l'odeur. Voyons voir. Lui, il sent sa mère. Il sent sa mère. Il sent très fort. Il sent, ouais, il sent fort le vin. Lui, il est âpre. Il prend au nez. Mais lui, il est beaucoup plus fin. Ah oui, il est plus doux. Lui, il a plus de rebord que celui-là. Donc ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que celui qui a l'anneau le plus gros, c'est celui qui est le plus vieux. Donc moi, de ce que je crois, celui-ci est plus vieux, celui-ci est plus jeune. Je goûtais déjà le gros anneau. Il faut que je me confie, je bois très peu d'alcool et je bois très peu de vin. Alors, pour savoir lequel sera le plus cher, je compte sur toi, Flavie. Bah vas-y, je me connais légèrement plus, mais vraiment... Ah, celui-là, il est bien, bien brut. Lui, il est doux, ça va. Ah, celui-là, il est plus léger. Ah ouais, mais là, on va être biaisé. J'aime pas l'alcool, alors moi, tout ce qui est fort... Je fais semblant d'avoir de l'eau pour me laver. Ça m'a pris d'un coup. Non, moi, mon avis va être biaisé, parce que forcément, je vais préférer tout ce qui est sucré, tout ce qui est doux, tout ce qui est enfantin, et tout ce qui va être très adulte, je vais trouver que c'est merdique. Ah mais, non mais on est d'accord, il brûle la gorge lui. Hein. Il est pourri celui-là. Ça pour moi c'est de la piquette. Ah ouais. Ça se trouve la bouteille elle est 300 €. Ah bah putain. C'est de la piquette. Bah de la piquette à 300 balles. Bah je l'aime pas du tout celui-là. Je préfère mille fois celui-là, il est plus doux, plus sucré. Moi je vote pour celui-là. Encore une fois sur les boissons vous êtes pas... Non arrête, non, c'est cette horreur. Je te jure. C'est quoi comme vin? Donne-nous le nom. C'est un Sauvignon. Alors la piquette est un Sauvignon. Ok. Ça, c'est un Sauvignon. Attends, tu veux dire que le doux... C'est de la piquette. C'est de la piquette? Celui avec l'étiquette orange, c'est le Sauvignon, c'est celui-là. Donc, c'est la piquette, c'est celui qui est le moins cher. Oui, bon. Okay. Ouais. Et ça, c'est un château carbonieux. Alors, c'est vrai que j'ai toujours apprécié. En fait, il est super bon. Il est super bon.
Il est pourri celui-là. J'aime pas du tout celui-là. Ça, c'est de la belle bouteille. Hein. Oh, c'est beau. Donc là, on est sur luxe. Et là, on est sur le petit Sauvignon. Pas du tout luxe. Oh, je suis une merde en vin. Ça me détruit le cœur. Mon verre coûte 19 balles. J'ai le seum, sa mère. Oh, 19 balles pour ça. Moi, je peux pas. Je suis désolée. Là, on est en train de rendre fâché beaucoup de gens. La bouteille est magnifique. Je vais la garder en collection. Mais je suis désolée. Je suis pas assez adulte pour apprécier le vin, en fait. Vous essayez de deviner les prix quand même? Ah, oui. Je dirais 4 euros Sauvignon. Moi, je dirais 3. 1,69€. 1€ Meuf, on a passé un bon moment avec un vin à 1€. Eh, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre du luxe ou pas luxe. Si je kiffe ma life avec un vin à 1€. Mais bien sûr. Mais voilà, en vrai, je vais pas faire genre, c'est bon quoi. Franchement, c'est qu'une question de bouteille. Hein. Tu fais une bouteille comme ça, là, bien belle, bien jolie. Bah ouais. Tu dis à ton invité que c'est un grand vin de ménestrel riche. Il boit, il est en mode. Et je savais même pas qu'un vin pouvait coûter aussi peu. Et alors, le cher? Eh bah, devinez. 20€? 30. 31,90. Ouais. 31,90. Il vaut cher, donc je vais quand même finir le verre. Oh bah, le verre! Tiens, je t'offre la bouteille. Non, j'en veux pas de la bouteille. Est-ce que je vous donne un petit foie gras avec ça? Continuons l'aventure, petit foie gras. Mais on dirait de la bouffe pour chat. Midona, t'as ton repas là, Midona? T'as jamais mangé de foie gras? Bah, j'en ai mangé une fois. Parce que c'est la meilleure chose au monde. Hein. Genre, de temps en temps, à Noël, je trempe un peu ma langue, mais... Qui fait ça? Qui fait maman, tu me passes le plat? T'es trop bizarre comme meuf. Là, on a un beau foie gras bien verdâtre. Arrête, il est très bien. Là, on a vraiment quelque chose de... Midona? On se pose des questions, Milo, là. Milo. Oh, mais je mange pas ça, moi. J'ai des reflux gastriques. Mais attends, t'es dégueulasse. Moi, pourquoi je me tape l'assiette de Midona, là? C'est comme du pâté? Alors, déjà, ça s'étale pas, hein. Oui, ça s'étale pas. Mais t'es une gueuse, hein. Tu me fais honte, Emma. Mais moi, c'est même pas du foie gras. Excusez-moi, c'est pas du foie gras, ça. Ça, c'est Midona qui a régurgité ça. Voilà, un plat. Un foie gras, c'est pas comme ça. Alors, je vais goûter ça. C'est très gras, quoi. C'est fort aussi, hein. Non, mais t'as remarqué que pour l'instant, les produits luxe, c'était les produits les plus forts, principalement. Plus c'est goûtu, plus c'est luxe. Alors, voyons voir. Ça, ça ressemble davantage à ma mousse de canard. Je sais pas. Moi, celui-là, je dirais que c'est supermarché. Ça ressemble à de la mousse de canard. Alors que celui-là, il a un goût particulier. Il est très bon. J'ai vraiment un très mauvais palais, c'est pas possible, mais je ne vois aucune différence. C'est physique déjà. Pourquoi il a fini comme ça en fait, le foie gras? Qu'est-ce qu'il s'est battu avec qui pour finir comme ça en fait? Moi, je dis celui-là luxe, celui-là pâté de campagne. Voilà, c'est mon avis. De professionnel. Du luxe. Ça veut dire néant quoi. Ouais. Alors, le chef, ouais. Nous avons pris notre décision. On a décidé que celui-ci était le luxe et que celui-ci n'était pas le luxe. Évidemment. C'est vrai? Putain, bravo. Mais on est forte, meuf. C'est vrai qu'il était bon aussi. Mais qu'est-ce que... Par contre, j'ai peur. D'où il vient, celui-là? Alors, c'est moi qui me suis battue. C'est moi, le catcheur. Parce que, alors, ils vendent ça dans des terrines, là, qui sont déjà... Ah, c'est les terrines. Pas ouvrables. D'accord, donc, de chez Super U. Foie gras de canard entier, mi-cuit. Ah bah, canard, voilà. Bah, c'est ça que j'ai senti. C'est la mousse de canard. Ah bah, t'as bien géré. Tu as un petit palais pour... J'ai les animaux. C'est horrible. Bouffer un chat un jour, lui, c'est de luxe. C'est deux types d'eau là ou... Tout à fait. Non, attends, il y a une eau luxe et une eau pas luxe, meuf. C'est une blague. Elle en peut plus. Mais je veux juste boire. Mais j'aimerais juste boire. Depuis quand t'as de l'eau de luxe? Alors, il faut vraiment qu'on fasse une dégustation d'eau. Bah apparemment, t'as de l'eau de Luxos et de pas de l'eau de Luxos. Elle a un goût bizarre, elle, déjà. Ah ouais, moi je trouve pas. Pff, c'est de l'eau. Bah elle a un goût, je trouve. Ah ouais. Mais le problème c'est que moi je me base avec de la cristalline. Celle-ci elle est bonne, elle a l'air pure, elle a l'air énergétique. J'aime bien celle-là moi. Elle j'ai l'habitude, enfin j'ai cette sensation que ça me met pas étranger. Elle c'est pas le même goût. Moi je dirais que ça c'est luxe. Moi, luxe. Moi je dirais l'autre. Et bah c'est dans les verres ronds, la bouteille d'eau de luxe. Ah, c'est quoi comme marque ça? C'est de la cristalline. Tu reconnais pas ton nom? Si si, c'est pour ça que je me suis dit allez vas-y on va laisser Emma gagner. Non, non, non. Donc la bouteille de cristalline, elle fait donc 1,5 litre et elle coûte 18 centimes. C'est ma préférée. Et l'autre, en quantité, elle fait 800 millilitres et c'est l'eau de la marque Voss et elle coûte 6,79€. Oh, c'est très cher pour une bouteille, je trouve. 6,79€. Eh hey, mais attends, est-ce qu'on gagne hydratation du visage, des années et tout avec ton eau? Non mais fais voir la bouteille. Mais c'est quoi ça? On dirait un immense parfum. Mais ils la mettent dans le verre pour qu'elle garde son bon goût d'eau, je pense. Ça sent mon pays, ça. Devant vous, vous avez comme une pizza entière. Vous avez deux pizzas différentes, une à droite, une à gauche. Ah, pardon. On s'est touché comme la belle et le clochard. C'est trop mignon. Attends, elles sont grosses les parts, là, non?
Pourquoi je pars, j'ai l'impression de partir avec tout. Je sais pas à quoi elle est, mais il y a un goût qui me dérange quand même. C'est 4 fromages. C'est 4 fromages. Je déteste les pizzas 4 fromages, voilà. Moi je crois que déjà c'est industriel ce que j'ai là. Oh bah elle est raplapla mon gars. Ouais, moi j'ai l'industriel, c'est sûr et certain. J'aurais plus la bouche. Funès, alors rien qu'à la croûte, ouais. Celle que t'as mangée là avant. Bah oui. Industriel. Ah oh oui. Tu sens le fromage bien, bien pas fromage, bah bien oui. Plastique là. Ah mais oui, ça n'a aucun sens. Mais je préfère celle-ci en goût, même si c'est l'industriel. Ah, elle est artisanale mais j'aime pas. Ouais, je suis d'accord, il y a un truc bizarre sur la pizza. Ah, on est d'accord, il y a un truc hein. Ouais, moi je préfère largement les pizzas américaines déjà que les pizzas italiennes, parce que j'aime les pâtes bien épaisses, avec les pizzas bien chargées là. Moi je dis, partie de droite, pas luxe, partie de gauche, luxe. Pareil. Oh bah oui. Bah non mais... Je la reconnais. Mais ça c'est sans... ça par contre, c'est ouf comment ça se sent au goût. Hein. Ah ouais. Oh, c'est incroyable. En tout cas, j'étais comme chez moi pour manger la pizza. T'as mangé comme ça? T'es vraiment comme chez moi, ça m'a fait du bien. Eh bien, on mange super bien dans ce resto, ça fait 3 heures qu'on y est. Et c'est on n'a pas l'intention de sortir en plus de ça, c'est un braquage. On va passer au vin rouge. Oh. Je suis pas fan de vin rouge, moi, faut le savoir. J'en bois pas non plus. On va être encore comme deux connes, alors oh. L'anneau. Alors là, ouais, je vraiment au niveau distance. De toute façon, je me suis plantée, j'ai rien à dire. Alors déjà, la robe. Il y en a un qui est plus clair que l'autre. Celui avec l'étiquette, il est plus clair. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que je vous mets ça en même temps, comme ça vous pouvez goûter à... Ah oui, régalade. La régalade, tu me fumes. C'est la... Avec ces deux trucs. C'est la régalade. Oh, c'est la régalade là. Eh, bougez pas, on fait la minia. Attends, et les plans, ils sont de moins en moins bien faits. Hein. Mais ils sont de plus en plus sombres. On va arriver, il sera 21h, 22h. Mais en fait, c'est un guet-apens, tu veux pas que je rentre? C'est moi donc. Oh, ils sentent, hein. J'aime le fromage quand ils sentent. Plus pervers, la voix, la prochaine fois. Alors, j'en étais à la robe. Ah, il y en a un, il a un anneau bien profond. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah bah si, je le vois. Là, l'anneau, il est beaucoup plus grand que là. Mais on voit rien, Emma, c'est foncé. Attends, je vais faire une vidéo, vous allez voir. Il n'y a pas d'anneau, là. Alors, le verre est sale, excusez-moi. Mais vous voyez l'anneau, là? Ça, c'est de l'anneau. Ça. Mais ils ont tous les deux la même odeur. Mais c'est assez jeune, je dirais, comme vin. Mais on s'est planté sur le vin blanc. Qui va te croire, Emma? Qui va te croire? Les enfants. Et là, vous voyez, l'anneau est plus petit. Vous voyez l'anneau, là? Je crois que... Ou pas là-dedans. Ça se trouve, c'est même pas ça. Alors, maintenant l'odeur. Mais pour moi, ils sentent la même chose. Celui-là est plus doux. Celui-là est fort. Le clair? Ouais. Ah, celui-là est fort. Celui-là est beaucoup plus doux. Ouais. Ah, très fort celui-là. Beaucoup plus doux. Ah, il est plus digeste. Le clair? Ouais. Moi, je dis piquette, vin de riche. C'est celui que je préfère, donc forcément, c'est de la piquette. En vrai, j'ai envie de te suivre. On peut plus se suivre. Là, il faut qu'il y en ait une de nous deux qui ait raison, une de nous deux qui ait tort. Bah non, mais je fais ce que je veux, non? C'est quoi ce concept? Laisse pas le choix. Tu fais ce que tu veux. Alors, c'est les mêmes fromages? Les deux mêmes fromages, c'est du brie. Du coup, on évalue pas le vin tout de suite? Enfin, un peu parce de tout. Que... On fait l'autre en même temps? Attends, oui. Par contre, les. Attends, faut qu'on. Ah, Emma, arrête, c'est ton concept, je suis en train de lire ton concept. Bon, ok, on verra le résultat. Je peux même pas en placer une pour moi. C'est celui-là, le bon, parce que... Ça il est voit, coulant. Il est coulant. Non, pas spécialement coulant, mais c'est parce que tu vois qu'il est pas industriel avec la croûte. Ouais. Contrairement à celui-là, il pue l'industriel. Regarde, oh, il est crémeux, il a du goût, il est bon. J'ai même pas besoin de le goûter, celui-là, c'est sûr, c'est un industriel, mais... Ah ouais, je suis bien d'accord avec toi. Il y en a un, il est super bon. Celui-là, il est incroyable. Oh, quelle grosse. Ah, que du vin. Santé. Ouais. Ça passe toujours pas, bébé. Alors, le vin avec l'étiquette, c'est la piquette. Oh. Et moi, je m'y connais en vin. Je vous avais dit, formation. Merci, McFly et Carito. Grâce à vous, je suis des experts en vin. Pour la piquette, on est sur un François d'Aubigné. Et donc, ça, c'est 1,33€. Ah oui. Et de l'autre côté, du coup... On... Côte-du-Rhône. Non, c'est un Château Margaux. Grand cru, classé 1855, mis en bouteille. Et c'est année 2017. C'est une très bonne année. Ah, j'avais dit que l'anneau était plus grand que de l'autre vin 2019. Non, mais je m'y connais. Et donc, cette bouteille, à votre avis, elle est à quel prix? 30. Moi, je dirais 25. 58€. Oh, putain, je... Bois bien. Chérie, savoure-le, celui-là. 58€, la bouteille. Oh, ouais. Et alors, le fromage. Nous, on pense que le tout blanc, là, c'est industriel. Faut pas nous avoir avec ça, et là. Et celui qui est bien croûté, là, qui est un peu fondant. Ouais, vous avez raison. On est une... Flavie, on est des bonnes françaises. Ah, là, vin, fromage, on maîtrise. Il y en a un qui est à 6€ le kilo, donc le... Indus. Le Indus. Et l'artisan, c'est 32€ le kilo.
42 euros le kilo. Bébé, on a fini? Non. Non. Moi, je suis enceinte de 3 mois. Tu te rends compte, regarde. J'en peux plus, meuf. Ça s'arrête plus, ce tournage. Ça fait 6 heures. Il est 17h. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Emma? Y'a pas quelqu'un qui peut te dire que c'est trop là, Emma? Oh. Mais c'est quoi ce là? On dirait des freins qui grimpent. J'en peux plus. Ça fait... Waouh. Dieu! Mettez-vous en bandeau. Ah oui, oh, oui. Putain, ouais. J'ai hâte d'avoir le dessert. Il y en a 3. Trois. J'ai dû refaire 15 trucs. Waouh. Je ne dirai même plus. Maman, tu dis non, à l'aide, je peux pas digérer tout ça. Alors, devant vous, vous avez une part de flan dans chaque assiette. Le mien ne m'inspire pas confiance. Ah non, j'aime pas. C'est pas du flan. Enfin, c'est pas du vrai flan. Oh, il est bon, sa mère. Oh, il est incroyable. En plus, ça sent, il est fait à la fécule de maïs, je déteste ça. Oh, c'est de grasse. Oh, c'est la cerise, là. Tu peux goûter la ah, cerise? Ah oui, vas-y. Il est super bon, meuf. J'ai jamais goûté un flan aussi bon de ma vie. Ah oui. Ah là, là, on est sur une texture de flan, là, oh, oui. J'ai fait tomber mon flan. Oh, il tombé. Oh, il est très bon. Oh, sa mère. Il est horrible, celui-là. Il est horrible, donne-moi mon flan. Donne-moi une bonne bouchée. Je vais pas te donner la béquille, on est où? Celui-ci là, c'est une dinguerie. On peut ouvrir nos petites mirettes? Bien sûr. Mais c'est quoi cette pâte? Oh non, ça c'est pas un flan. C'est un fromage. Alors que celui-ci, il est onctueux, il est doux, il est crémeux, il est à la vanille là. Il zoucle dans la bouche. Alors clairement, luxe, merdique. C'est vrai. Et il est super bon, hein, vraiment. Il y en a encore. Mais trois desserts, on t'a dit, qu'est-ce que tu comprends pas? Mais maman, maman, viens me chercher, ça s'arrête plus. Alors là, je vais vous donner une assiette chacune, il n'y aura pas besoin d'échanger, vous avez chacune... Les deux. Je vais commencer par lui, tiens. Attends, déjà, celui-là, la texture est onctueuse, le chou est mou, celui-ci, le chou est dur, très dur, et la texture est... c'est pareil. Ça, c'est le carrefour, ça. Il est tout mou. Ouais. Ouais. Luxe. Pas luxe. Celui-là, il y a un vrai goût de café, bien fort. Luxe, mais j'aime pas le luxe. Il croustille, il est bon. Vous avez toutes les deux dit la même chose, en tout cas. Ah ouais? Putain, et meuf. Vous pouvez enlever vos bandeaux si vous voulez. Ouais, luxe. Oh, ouais. Luxe. Moi, j'adore, il a un petit côté un peu caramélisé. J'ai adoré. J'aime pas. Je pense que c'est parce que c'est du café, je suis pas fan du café. Mais oui, ça sent que c'est du luxe. Moi qui déteste les éclairs, ça c'est très bon. Si jamais vous habitez à Angers, les pâtisseurs, du coup, à Angers, c'est super bon. Bah écoute, ouais, pas mal. Hein. Bon, les derniers. Dernier de chez dernier. Ah, du coup, on se bande. Voilà, j'ai mis vos assiettes devant vous. Pareil, pas besoin d'échanger les assiettes. Vous avez chacune un morceau bien distinct. Paris-Brest. Bon, déjà, il y en a un. Il y a un étage. Et en termes de texture, il paraît pas foufou. Oh putain, il y en a un crémeux là, sa mère. Putain, mais attends, faut faire un trou dedans. Ah, c'est pas mauvais par contre, le Paris-Brest. Ah, celui-là, il y a de l'étage. J'ai la directe. Je reconnais la pâtisserie là de. Vous savez? Les pâtisseurs. Les pâtisseurs d'Angers, je reconnais vos pâtisseries maintenant. Celui-là. Vous mettez un petit peu de sel et c'est succulent. Et moi, dans mes vidéos, à aucun moment j'essaie de vous impressionner, ou j'essaie d'être classe, ou j'essaie d'être sexy. Comment ça, t'es pas classe, toi? Ah non, mais je bouffe comme as. Moi, je suis classe. C'est ça. Ok, jury. Pardon, Flavie, elle mange d'une manie. Elle voit pas qu'il y a tout qui sort de l'autre côté, c'est un enfer. On a décidé de me gaver comme une oie dans cette vidéo. J'ai dit, vas-y, je fais attention et tout. Je sport en ce moment. Bah justement, t'as le droit à te faire un peu plaisir. Je vais commencer le sport. Oh, tu me rajoutes 3 mois de sport. Bon, j'en ai marre. Tu peux enlever le bandeau? Oui, vous pouvez enlever vos bandeaux. Parce que je sais, c'est lequel. Oh, j'en ai fait tomber par terre. Encore? Mais c'est pas possible. Mais... Alors,
Alors moi je dis celui-ci est pas mauvais du tout, il est même très bon, mais celui-ci c'est clairement industriel. Oui, je suis d'accord. Et celui-ci là, celui où il y avait des petites noisettes dessus là, j'ai senti ça croquer là. Effectivement, c'était bien ça, du coup l'industriel. Alors oui, alors le Paris-Brest industriel, 1,85€. Ah bah c'est bon pour pas cher hein. Ouais, ça va. Donc celui du pâtissier, c'est 4,50€. Bon, ça va. Et bah Flavie, ça y est, attends, il n'y a pas un petit digestif? Merci à tous pour cette vidéo. Au revoir. Non. Qui décide. Allez, au revoir. Au revoir. Non, bon, et déjà, moi, je tiens à dire qu'on s'est super bien démerdé et qu'on n'a pas du tout un palais de Doberman. On a un très bon palais. Bah, pour tout ce qui est dessert, oui. Pour tout ce qui est alcool, moins. Moins. Tout ce qui est bouffe, on a un très bon palais. Bien développé quoi. Si tu veux. Non, je oui. Ouais, ouais, oh voilà, merde. Oui, voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on s'est tapé un fou rire. Si vous, si vous avez pouffé de rire, rigolé ou juste souri, bah abonnez-vous. Oh, bah, exactement. Ça mérite un abonnement. Je suis d'accord. Si vous avez rigolé ne serait-ce qu'une seule fois, ça mérite un petit abonnement gratos quoi. Merci beaucoup à Sid qui a tout fait pour cette vidéo. T'as tanké de ouf. Merci beaucoup. Bah, c'est pas moi qui ai cuisiné. Hein. Vraiment merci aux artisans qui font du bon boulot. C'est vrai. Libérons les artisans. Libérons la France. Soutenons les artisans. Libérez-moi. Merci beaucoup à Flavie. Non, à Dooms d'avoir merci participé. Merci à toi de m'avoir invité. J'ai beaucoup rigolé. Et je sais pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ça va pas là. Non, ça va pas. Et ma cote cette vidéo. Des gros bisous et à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Mais oui.